La chirurgienne qui va vous opérer. Donc vous avez été admise ce matin, d'accord, c'est ça? Donc vous aviez, en fait vous avez eu des douleurs d'estomac, l'estomac noué tout le temps, c'est ça? Ok. Donc en fait, je vous explique rapidement, vous avez des vers dans votre estomac et donc on doit vous opérer pour les enlever. C'est pas très compliqué comme, comme opération, c'est pas risqué du tout. Mais on a l'habitude. C'est causé par le stress. Du coup, vous avez des questions? Non? Ok. Donc, je vais juste vérifier que vous n'avez pas de température. Ok. Ok, on va vérifier la deuxième oreille. Parfait. Parce qu'on ne va pas vous opérer si vous êtes déjà malade, bien sûr. Je vais regarder votre cœur et votre respiration. Donc le bloc va être prêt dans une demi-heure à peu près. Donc je vous ai ramené une charlotte pour vos cheveux et une blouse. D'accord? On va aussi installer votre perfusion. Voilà, c'est bien mis? Ok, parfait. On va remettre la perfusion. Donc, tenez vos bras, ne vous inquiétez pas, ça va juste piquer un peu. Je vais l'accrocher ici. Ça va nous permettre de vous anesthésier pour l'opération. Ok? Ça va? Parfait. On propose aussi d'injecter un petit calmant avant l'opération pour les personnes qui sont un petit peu stressées. Est-ce que vous aimeriez en avoir un peu? Ok, il n'y a aucun souci. On prévoit toujours. Ok. Voilà. Vous devriez vous sentir calme. Voilà. Donc, je vous retrouve en bloc opérateur. D'accord. Vous êtes bien installé? Ouais. Ok. Donc, je vais mettre mes gants en premier. Là, je vais mettre que vous endormir.
Ça, vous n'êtes pas trop stressé, le calme a fait effet. Ok. Tant mieux. Sentir un petit peu fatigué d'ici quelques secondes. Je vais vous demander de compter jusqu'à 3, jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le patient est endormi, donc on va pouvoir commencer cette opération. Donc, premièrement, je vais commencer par désinfecter la zone. Nous allons commencer par une incision. Parfait. Je vais prendre une pince pour écarter le tissu. Ok. Utiliser une petite épingle pour fixer la peau. Et une petite dernière de ce côté-là. Ok. La peau est bien fixée. Nous allons maintenant couper le tissu intérieur.
Je vais utiliser mes ciseaux pour couper. Récalcitrant. Parfait. Encore un petit peu là. J'utilise ma pince pour décoller le tissu. Parfait. Okay. Alors là, j'ai une jolie vue sur l'estomac. Ok. On va désinfecter un petit peu l'intérieur. Ok, parfait. Nettoyer un petit peu. Ok. Super. Bien. Là, on va pouvoir couper l'intérieur. Je vais utiliser ma pince et mes ciseaux. Fais une incision de la paroi de l'estomac. Ok. Ok. Parfait. Je vois, je vois là les verres. Je dois faire attention parce que il y a des veines qui traversent l'estomac. Morceau de tissu. Ok.
Il n'est pas entier. Et le liquide à l'intérieur. Et on va le verser dans le récipient. Parfait. Au plus clair. Okay.
palpe le fond de l'estomac. On a encore des tissus intérieurs. Nous avons tous eu. Il faut que j'enlève les derniers tissus à l'intérieur. Ce sont les vers qui les ont créés. Ok. Je vais ponctionner le dernier. Bien mieux à son réveil. Ok. Ok. Parfait. Compresse. Je suis désinfectant en retard. Ok. Parfait. Maintenant, nous allons refermer l'estomac d'abord. Je joins les bouts avec ma pince. Ok, couper le fil. Ça. Je vais maintenant refermer le tissu intérieur. Ok, parfait. Pareil, nous allons suturer à nouveau. Je vais retirer les épingles. Ok. On va joindre les poupes ensemble. Parfait. Une plaie bien droite et bien nette. Ok. Suture. Nous y sommes. Il faut que je coupe le fil.
doucement dessus. Il ne nous reste plus qu'à le réveiller, pas même lui, injecter le produit pour qu'il se réveille. Et il ne restera plus qu'à le transférer en salle. Te réveille. Très bien. Et bien voilà, nous avons terminé notre travail. Bonjour. Donc, l'opération s'est très bien déroulée, il n'y a eu aucun souci. Vous devriez avoir une cicatrice nette et sans problème, vraiment. Donc voilà, vos symptômes devraient disparaître. Vous pourrez sortir de l'hôpital d'ici demain soir. Vous allez juste rester cette nuit et demain dans la journée pour qu'on vérifie que tout va bien. Puis après, tout ce que vous devrez faire, c'est bien nettoyer votre plaie. Et puis, s'il y a le moindre problème, la moindre douleur, ben, vous revenez voir votre médecin, d'accord? Et voilà. Vous avez des questions? Non? Ça va? Vous avez pas mal? Ça va? Ok. Les intubateurs qui font effet, donc c'est bien. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne journée et un bon séjour. Et